Coucou, je suis en Suisse. Je vais lancer ma collection de fromages avec Metro. Donc vous allez me suivre, on va aller découvrir un petit peu quelques fromages suisses, notamment la fondue suisse. Alors Laetitia, là on t'a concocté 4 sortes de fondue. Ça m'intéresse d'avoir l'avis d'une professionnelle. Les 4 recettes que l'on va déguster de fondue ont été faites par notre producteur, donc avec le Vacherin fribourgeois. C'est toujours intéressant de faire ça à l'aveugle, hein, tout se fait à l'aveugle. Elle est assez épaisse. Hein. Bah déjà, elle a une belle texture, ça. Il y a une chose qui est importante, la fondue, quand on la laisse reposer, elle doit être brillante dessus. Viens voir, tu sentiras pas, mais c'est pas grave. Ici, Vacherin fribourgeois et aussi du gruyère suisse. Au niveau des textures, elles sont top. Mais à la fin, il faudra quand même choisir une. Hein. Alors, ouais, entre les deux, en fait, ça va être... Pour moi, c'est vraiment entre les deux. Je pense que oui, on a trouvé. Ça serait celle-ci. Alors, elle a de l'onctuosité en termes de pâte. Et le but d'une fondue, déjà que c'est assez copieux, il faut un petit peu de légèreté. Donc ici, en fait, on va l'avoir par le côté un peu fruité. Donc ça reste un peu léger, même si ça reste de la fondue. Et en même temps, elle me ressemble. Parce que moi, je pense à mon enfant qui va l'aimer, à mon mari qui va l'aimer, à la famille aussi. Enfin, c'est vraiment la fondue familiale.